Te suis voulu à toi. Bon. On va reprendre. J'ai encore un souci de play. Là, je suis en train de jouer avec ma connexion à la maison. Je sais pas ce qui s'est passé. T'as un Shadow qui me saoule. Je me rappelais plus que j'étais ici, moi. Allez. Amuse-moi, troubadour. Sinon, je te bute. Bordel, avec ça, je suis bug mon pote, ça dans un coffre. Je crois que je vais pouvoir lancer un enchantement de plus. Allez. Peut-être là. Bonjour. Vous avez besoin de potions, je suppose. Il semble que vous n'ayez pas assez pour cela. Attends, t'as vu les prix que tu me donnes, mon pote? J'espère vous revoir très vite. À bientôt. Je sais pas, moi je me suis cassé le cul à aller chercher à donner une livraison d'une personne qui n'aime pas.
me faire une réduction quand même. Ça et reste au momentum. Arrête au momentum. Fringo. La suite. Confringo. Arrête au momentum.
Salut. Allez, 24h04. Ah d'accord, ok. Salut. J'espère que tu vas bien. Bordel. Ah désolé, attends, on va aller sur Twitch, ça va être mieux pour voir les commentaires, pour voir un peu tout, voilà quoi. Le truc banal quoi. Salut à toi. ID 2405 avec un petit rond en plus. Je sais pas si je vais avoir le commentaire. Voilà, connexion. Hop. Bienvenue dans le chat du développement. Si tu veux me parler, il n'y a pas de problème. Je serai là. Tu es à moi à présent, demi-guise. Ah ben voilà. On va voir les quêtes déjà. Il y a pas niveau quête, oh, il y a pas beaucoup. Faire pousser et récolter du Saint-Brieuc. Est-ce que je peux enfin sortir de cet endroit, s'il vous plaît? Ah, non, toujours pas. Ah, il y a peut-être du pot de la restitution, ça. On va aller chercher des nouvelles quêtes.
Je me rappelle plus qu'il y avait cette musique là ici. Allô, Omura. Réveillons. Professeur, j'ai vu un badge d'Aurore sur votre bureau. Puis-je vous poser des questions sur votre carrière ? Vous avez l'œil. J'imagine que je peux vous en dire plus. J'ai passé des années à retrouver des malfaiteurs qui faisaient du trafic d'artefacts de magie noire. Ce devait être vraiment fascinant. Excitant. Ça l'était. Du moins, le temps que ça a duré. J'ai connu beaucoup de succès en tant qu'Aurore. Cependant, de Johnny Depp. Le succès peut entraîner l'arrogance si notre assurance n'est pas tempérée par notre humilité. Il a suffi d'un rien pour tout changer. Je peux vous demander ce qui s'est passé ? Oui, je suppose que cette histoire est connue. Mon partenaire et moi-même avons suivi un suspect jusqu'au port de Scarborough. Il faisait de la contrebande de têtes réduites de toutes sortes. J'en avais déduit qu'il travaillait seul. Mais je me suis trompé, et il nous attendait. Lorsque nous sommes montés sur le bateau, eh bien, j'ai tout juste réussi à m'en sortir. Mon partenaire n'a pas eu cette chance. J'imagine qu'être Aurore est extrêmement dangereux. Pardon. Ah, c'est comme ça. Mais la survie n'est garantie pour aucun d'entre nous. Vous devez prêter attention, et pas seulement dans mon cours. C'est ce que je veux vous faire comprendre à tous. Un souffle sépare une potion d'un poison, jusqu'à ce que vous le consommiez. Bien dit, professeur. Merci. Professeur Sharp, j'aurais des questions sur mes devoirs supplémentaires. Le professeur Weasley m'a demandé de vous confier des tâches pour peaufiner votre éducation. C'est aussi simple que ça. Revenez me voir lorsque vous aurez terminé, et je saurai que vous êtes capable. Ouais, mais t'es drôle, tu vas faire pousser au côté du... Zizibre. Zizimbre. C'est quoi ça du zizimbre ?
Revelio. Oh, il est fou, lui. C'était cela. Une demi-bouteille. Ajoutée en remuant dans le sens des aiguilles d'une montre. Mmh. Ah, c'est toi ! Justement, je te cherchais. Samantha, est-ce que tout va bien ? Non, pas du tout. C'est mon frère, William. Celui dont je t'ai parlé en cours de sortilège. Il a été maudit. Il a ignoré mes avertissements et se retrouve maintenant à Sainte-Mangouste. Il fait peine à voir. Il ne m'écoute jamais, de toute façon. Pardon, mais comment a-t-il été maudit, exactement ? Tu ne vas pas me croire. Ses pieds se sont transformés en betteraves. Je te laisse imaginer sa tête. Et la mienne. Et je ne te parle même pas de toute l'attention qu'il a reçue des lapins du jardin avant qu'il arrive à se faire admettre à l'hôpital. Des betteraves ? Hilarant ! Je veux dire, c'est horrible. Vraiment horrible. Tu peux bien te moquer comme les autres. Il n'en reste pas moins que la situation est grave. Eh bien, c'est vrai que c'est peu ordinaire. Qu'est-il arrivé à ton frère ? Tout est entièrement sa faute. Je lui avais parlé de mes récentes recherches sur notre ancêtre, Marmaduke Dale, et en particulier de ma découverte concernant la malédiction qui entoure son tombeau. Mon frère s'est toujours moqué de mes recherches. Cette fois, il m'a carrément ri au nez. Il m'a dit que j'avais mal interprété mes résultats. Mal interprété mes résultats. Comme si c'était possible. Et pour le prouver, il s'est rendu à l'entrée du tombeau, et pouf! Il s'est retrouvé avec des betteraves à la place des pieds. Pour être honnête, il l'a bien mérité. S'il ne s'agissait pas de mon frère, je serais d'accord avec toi. Il a fait une erreur de jugement monumentale. Personne ne mérite de vivre comme ça définitivement. Surtout à cause d'une simple petite erreur stupide. Je crains qu'à moins d'être inversé, la malédiction ne perdure à jamais. Peut-on briser le mauvais sort ? Peut-être. Elle a été jetée lorsqu'un blason a été volé à Marmaduke. Si on le remettait à sa juste place, sur le sarcophage, William retrouverait sans doute ses vrais pieds. Tu as combattu les trolls qui ont attaqué Préolar et échappé à un dragon. Et d'après ton travail en cours de sortilège, je sais que tu as beaucoup de talent. Rapporter un blason sur un sarcophage devrait être une promenade de santé pour toi. Alors, tu veux bien nous aider ? Comment ça, nous ? Je peux aller remettre le blason sur le sarcophage de Marmaduke pour toi. Oh, merci ! Merci infiniment ! Il suffit de pénétrer dans le tombeau de Marmaduke et de placer le blason sur son sarcophage. D'après mes recherches, le tombeau est abandonné depuis des siècles. Ça devrait donc être aussi simple que de faire voler une plume. Le tombeau se trouve à l'est du hameau de Bourgaren. Merci de ton aide. Ma famille a une dette envers toi. T'inquiète. Si tu savais ce que j'allais faire après... Si tu savais ce que j'avais l'intention de faire... Je dois trouver le tombeau près de Bourgaren et placer le blason de la famille de Samantha dans un sarcophage, à l'intérieur. Ah.
Fais lire. Il y en a la main grande. Elle est bien. J'ai marre de ce clic-clac. T'inquiète, t'inquiète. Let's go. Je pense que je vais faire que cette quête là, puis après j'ai arrêté. Parce que là il est 2h30, on a fait marre. Là, j'ai passé une sacrée journée aussi. Serais-je en sécurité si j'explore cet endroit? Thank you.
Bon, mes pieds ne se sont pas transformés en betterave. C'est un bon début.
Thank you.
Ah bah je suis levé. Je sais même pas où je suis. Je suis heureux. Lumos. Un troll? C'est une blague? Bon, moi je me fais troll et je vais me toucher. Hein. C'est chaud. Un sarcophage, sûrement celui de Marmaduke. Avec un peu de chance, cela devrait briser le maléfice. Bah, ça va toi? Qu'est-ce qu'il y a? Action! Les cursos! Ugh!
Bah moi aussi. Là, j'étais en train de... Je me suis endormi là. En plein live. Je me suis endormi. Et je finissais... Oh, je suis allé... Pendant que je dormais, j'ai réussi à faire tout ça. C'est mon jeu. C'est ce que je suis en train de faire en live. Et mon collègue, il... Ouais, je sais pas, il... Moi, j'ai plus la wifi. Je sais pas. J'ai plus de wifi et genre je peux que par par partage de connexion. Ouais, j'étais en train de jouer et sur le coup Je veux pour rejoindre un autre jeu, ça va pas. Je veux pour voir les jeux qu'il y a sur le PlayStation Store, ça va pas. Et j'éteins, je rallume et je vois il y a plein de cadenas sur les jeux. Comme avant, tu vois. Et là, j'ai remis ma PlayStation en mode actif, là. En mode principal. J'ai changé le mot de passe parce que bon, au bout d'un moment, je démarre. Là, à chaque fois, il fait ce qu'il veut et... C'est mal. Samantha sera ravie d'apprendre que le blason a été rapporté. Putain, mais j'espère que ça dissipera le mauvais sort. Ah, ça va, ouais. J'ai réussi à rentrer là. Par contre, je sais pas comment j'ai fait pour être... Arrête au moment même. Confringo, ça suffit. C'était une première. Je me suis réveillé, j'étais pas du tout au même endroit où... Enfin, je sais même pas. Je sais même pas où j'étais quand je me suis endormi déjà, donc... Ouais, j'ai dû dormir une petite heure, ouais. Dit que voyager ouvrait l'esprit.
j'ai remis le blason sur le sarcophage de Marmaduke, comme tu me l'as demandé. Je m'en doutais. Sainte Mangouste m'a fait savoir que les pieds de mon frère étaient revenus à la normale. Fini les betteraves ! Oh, je ne te remercierai jamais assez. J'espère que c'était pas trop difficile. Juste un misérable troll. Pas grand-chose. Un troll ? Oh, c'est affreux ! Je suis navrée. Personne n'était entré dans ce tombeau depuis des siècles. Mais je ne peux pas dire que cela m'étonne. Marmaduke semblait être un homme plein de surprises. Ça, on peut le dire. Bon, je devrais y aller. J'ai hâte de revoir mon frère. Il doit être aux anges maintenant qu'il a retrouvé ses pieds. Bien sûr, je le serai aussi. William et moi te serons éternellement reconnaissants. Merci encore pour ce que tu as fait. J'ai hâte de voir le résultat du live. Un nouveau masque ? Oh ! On va regarder ça, tiens. On va regarder ça un moment. Thank you.
J'aurais pas dû lui faire confiance. Ouais, ça va. Le livre que le professeur Weasley m'a demandé de trouver doit être dans les parages. Revelio. Tu cherches le manuel du cours moyen de métamorphose ? Le professeur Weasley m'a demandé de récupérer quelque chose dans ce livre. Puis-je l'avoir ? Ah oui, vraiment. Je te donnerai ce livre si tu acceptes de répondre à quelques questions. Quoi ? Pour certains, les bribes de connaissances sont des futilités. Mais pour moi, le savoir n'est jamais futile. J'ai donc créé un questionnaire, juste pour s'amuser, dans le but de voir si tu connais bien le monde des sorciers. J'ai demandé plusieurs fois aux autres élèves s'ils voulaient essayer, mais ils ont toujours refusé. Ils disent qu'ils ont assez de devoirs comme ça. Ah, ils n'accordent pas autant de valeur que moi au savoir. Je suis sûre que ça t'intéresse. Je vais commencer par les questions les plus simples. Ça pourrait être amusant. Formidable! Je vais te poser quelques questions, puis je te donnerai ce livre. Commençons. Avant l'invention du vif d'or, quelle créature magique était utilisée lors d'un jeu de Quidditch ? Le serpoiseau. Non, c'est faux. La réponse était le vivet doré. Le vivet a été utilisé pour la première... Quelle potion est communément appelée chance liquide ? Félix Félicis. Bravo ! Puisque Félix Félicis porte temporairement chance à celui qui la boit, elle est interdite dans toutes les compétitions organisées. Quels artefacts magiques sont évoqués dans le conte des trois frères ? Les reliques de la mort. Correct.
D'après Beedle le Barde, les reliques de la mort se composent de la baguette de Suro, de la pierre de résurrection et de la cape d'invisibilité. Quelle balle de Quidditch est la plus grosse ? Le soifle. C'est exact. Lorsqu'un poursuiveur lance le soifle dans l'un des trois cercles lors d'un match de Quidditch, l'équipe reçoit 10 points. Vrai ou faux ? Le polynectar permet à celui qui le boit de changer d'espèce. Ouais. Vrai. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Bien que le polynectar puisse être utilisé pour changer d'âge ou de sexe, il ne permet pas de changer d'espèce. Eh bien, je pense que cela a assez duré. Je vais remettre le... Si tu souhaites de nouveau évaluer tes compétences, je t'ai posé suffisamment de questions faciles comme ça. Les prochaines seront plus difficiles. J'aimerais répondre à plus de questions. Quel organisme de combat mental précédé de la machine, le conseil de stratégie, le conseil de science. L'ordre de Merlin. Non, c'est faux. La réponse était le conseil des sorciers a été dissous en 1700. Quelle est la plus petite race de dragon ? Oh, je me saoule là. La dent de vipère du... Fantastique ! Bien que la dent de vipère soit la plus petite race, qui a fondé le village de Préolar ? Qu'est-ce que j'en sais ? Quincy Hogg. Non, la réponse est... Il semblerait même que ce Hengist avait élu domicile aux trois... Quelle créature a été accidentellement croisée avec une goule, donnant ainsi naissance à un dissimuleur ? Un Runespur. C'est incorrect. La réponse était une de... Bien que le dissimuleur ait la cap... Celui du repousse-tout. La réponse était le sortilège du Patronus. Le seul survivant qui a publié la loi sur la métamorphose. Oh, tu me saoules, là. Evangeline Orpington. C'est incorrect. Là, l'une des principales exceptions. La véritable magie, c'est le savoir. Non, la réponse était il ne faut pas chatouiller un dragon qui dort. Ah, en oui, latin, c'est... la devise de Poudlard est drac. Oui, c'est bon, je sais. Quelle est la seule créature magique connue pour prendre ses œufs par la gueule. Le serpent cendre. Le Runespur. C'est exact. Merci. Où se situe l'école de sorcellerie d'Ilver? Dans les Pyrénées. Enfin, peut-être. Dans la forêt amazonienne. Non, l'école américaine a été fondée au... Sinon j'arrête toi, hein. C'est l'élixir de... C'est faux, la ré... Évidemment. Je n'ai pas le temps de continuer pour le moment. Pas de problème. Reviens me voir quand tu voudras essayer. J'ai remis le livre sur le piédestal pour toi. Je devrais trouver rapidement avec Rébellion. Veux-tu évaluer tes connaissances ? Je n'ai pas le temps de continuer. Pas de problème. Rébellion. Bon, là, cette fois, j'arrête là. Parce que là, je suis mort. Hop, je sauvegarde. Et je vais voir... je vais voir la rediff après. Je sais pas combien de temps j'ai dormi, mais j'ai dû dormir au moins une heure.
Les quêtes. Terminer de vote du professeur USD, ouais. Récupérer la page du guide du sorcier dans le port, dans le pont souterrain. Ah, non. Ouais, voilà, ça j'irai ça plus tard. À moins que. Ouais, ouais. Je peux aller faire une dernière. La lecture peut être tout aussi magique que n'importe quoi. Eh oui. Ça permet à certains de se la péter aussi. Hein. C'est là. Oh, mais dis pas qu'il faut faire ça. Rébellion. Alors. Ok. Ah, le triangle. Confringo. Ça reste comme ça. Ok. Tu devrais faire attention à ce que tu fais. Mais toi, t'es... Ah, ok. Hein. Ok, ok. Bon, c'est pas si dur que ça, en fait. Donc, le triangle, c'est 1. 1, 3. C'est quoi, ça? 4. Ok. Ok, ok. On voit rien. 2, 3, 4, ça c'est là-bas. Du coup, la lune traversée c'est 2, 2, et là-bas. Arrête ton momentum, lâche, Confringo. C'est un triangle. C'est le 3. Non, lui c'est 1. Lui et l'autre c'est 3. Voilà. Déjà, hop. Thank you.
Revelio. Ouais. Elle est où la page? Je suis bloqué quand même. Revelio. Revelio. J'ai terminé les tâches du professeur Weasley. Je devrais aller en cours de métamorphose. C'est donc ça le port souterrain? C'est quoi ça? Ça mène où? Allez. J'ai entendu dire que le professeur Weasley avait transformé le livre qui contient les réponses en hibou pour empêcher les élèves de tricher. Eh ben. Je trouve qu'elle prend les buses un peu trop au pied de la lettre. Ah, je trouve aussi. Hein. Ah,
Asseyez-vous. Asseyez-vous. La métamorphose, comme vous m'entendez le répéter chaque année, est une science exacte qu'une vie entière ne suffit pas à maîtriser. Mais ne soyez pas découragés. En vérité, pratiquement tout peut être métamorphosé quand on perçoit le potentiel que le sujet renferme. Comme je vois en chacun de vous, des sorcières et des sorciers fabuleux tous sans exception. Ou alors, peut-être que j'ai la vue qui baisse. Bon, vous savez tous quoi faire. C'est tour carré. Je me trompe tout le temps. Excellent travail. Le cours est terminé. Et souvenez-vous, ce n'est pas le moment de relâcher vos efforts. Déjà, est-ce que tu vas me dire à quoi ça me sert d'avoir appris ça? Ça me réchauffe le cœur de voir votre intérêt pour... Vous souhaitiez discuter de mes progrès actuels pour ce trimestre, professeur? Tout à fait. Vous semblez n'avoir aucun problème pour apprendre. Et franchement, vous excellez dans vos devoirs cette année. Tant mieux. Mais je me demande si tous ces devoirs supplémentaires étaient nécessaires. Je suis certaine que vous n'auriez pas obtenu d'aussi bons résultats sans ces devoirs. Il semble que vous ayez fait bon usage des possibilités offertes par votre guide du sorcier. Bien sûr, le guide n'est pas la seule mesure du succès. Chic m'a dit que vous aviez capturé une licorne et que vous l'aviez amenée dans la salle sur demande. Protéger une créature aussi rare, ce n'est pas rien à votre âge. Félicitations. Merci, professeur. Je dois dire que je suis très impressionnée par tout ce que vous avez accompli, vu les rumeurs qui couraient sur vos activités extrascolaires. Vos discussions avec l'elfe de maison du professeur Black et l'exploration de plusieurs grottes près du lac étaient-elles liées d'une façon ou d'une autre au professeur Fig? Je ne regarde pas. Pas du tout. J'étais intrigué par les rumeurs au sujet d'un calmar géant. J'ai rencontré Scrop qui semblait ravi de partager ses connaissances sur le sujet. Je vois. J'admire votre penchant pour l'apprentissage. Mais n'oubliez pas que vos devoirs et le guide du sorcier sont là pour vous instruire efficacement. La fin de l'année va vite arriver et vous allez devoir bien vous préparer pour vos buses. Je vous donnerai une évaluation finale à ce moment-là pour m'assurer que vous êtes prêt pour vos examens. En attendant, je vous félicite. Vous pouvez partir. Merci. Si vous voulez travailler le sort que vous venez d'apprendre, n'hésitez pas. Je vois que vous avez suivi avec attention ma démonstration du sortilège de métamorphose. Je me suis rendu compte de quelque chose au sujet du triptyque. Retrouve-moi au Belvédère, au nord de la forêt interdite. Cassius, Confringo. Et amener quelqu'un qui parle le Gobelbabil. Je me souviens qu'Amit a mentionné quelque chose à propos du Gobelbabil. Bon, ça sera plus tard. On sauvegarde et je dis bonne soirée, mes gens. Je reviendrai demain. Dans l'après-midi, peut-être. Après, je vais à la salle et tout. On verra. Et je dis au revoir. Des bisous. Magie, en fait. Pour l'instant, il n'y a rien.
Allez, salut.